Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Une petite vidéo pour vous présenter rapidement ma toute première trottinette. Donc je ferai deux trois tutos, enfin quelques tutos dessus pour vous la présenter en détail. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Donc montage en 10 pouces. Déjà pour les pneus, donc avec le kit 10 pouces pour remonter le garde-boue. Un garde-boue aussi spécifique, imprimé en 3D. Un petit support GoPro aussi imprimé en 3D. Donc ensuite, les clignotants, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai passé la béquille à l'avant. Elle a aussi du coup son petit support 3D pour le passage en 10 pouces. Une roue 10 pouces aussi à l'avant bien sûr. Un petit liseré rouge qui a été rajouté dessus parce que c'est pas une pro, c'est une standard. Un petit support aussi pour tenir mon éclairage supplémentaire. C'est un éclairage qui fait lampe et klaxon à la fois. J'ai aussi une petite gaine rouge pour ranger les fils. Bon, ensuite, j'ai aussi un petit crochet imprimé en 3D. Un commodo. Donc ce petit commodo, je vais vous montrer à quoi il sert. Un petit support encore caméra. Après rien de spécifique. Donc le petit commodo. Sur ce petit commodo, on a déjà un klaxon. Donc ce klaxon, il est intégré à l'arrière du feu. Donc on a aussi du coup tout bêtement le feu qui a une très très bonne puissance. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est les clignotants. Donc les clignotants, j'en ai un sur la fin, un de chaque côté, donc là un sur la poignée. J'en ai aussi un ici, un ici, c'est tout de l'impression 3D, et un ici aussi, qui est souple. Parce que j'avais essayé de l'imprimer en rigide, et à chaque fois ça se cassait dès que je touchais un obstacle ou que je touchais avec mon pied. Donc, ça c'est les clignots. Le feu, le klaxon, et j'ai aussi installé une petite alarme. Qui est très puissante. Très très puissante. Et j'ai aussi ce petit liseré rouge, en fait, qui s'allume en même temps que les clignotants. Donc là, en fonction de la lumière, ça ne se voit pas très bien. Mais si je tente de vous couper tout ça, je pense qu'on peut le voir. Donc voilà, petite présentation rapide de ma trottinette. Je vous ferai quelques petits tutos pour vous montrer l'installation, vous donner les fichiers pour l'impression 3D, savoir comment j'ai fait, le matériel qu'il faut et tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine fois sur Nanolabo.